de ce monsieur. De Le Sable? Ah oui, de Le Sable, pas du roi d'Angleterre. Tu veux savoir si monsieur Le Sable me plaît, c'est ça? Pour être tout à fait franche avec toi, il ne m'est pas indifférent. Tout serait parfait si on n'avait pas à subir les remontrances de ta tante tous les jours. Vous devriez bien faire ceci, vous devriez bien faire cela. Moi, j'en peux plus. Elle est âgée. Elle est insupportable. Elle se mêle de tout, veut tout régenter. Je veux un petit Le Sage. Je le veux. Vous m'entendez? Moi, je n'en veux plus de ta tante, entends-tu? Je n'en veux plus! Mon Dieu! Un docteur, vite! Que se passe-t-il? Charlotte, je crois qu'elle est en train de faire une attaque! Oh mon Dieu! Je laisse toute ma fortune s'élevant à 1 120 000 francs environ aux enfants qui naîtront du mariage de ma nièce. Mais, dans le cas où Coralie n'obtiendrait point du ciel un héritier pendant les 3 ans qui suivront ma mort, ma fortune sera distribuée aux pauvres. Il n'y a rien à faire, elle nous a joliment floué, la vieille. C'était à vous d'avoir un enfant, sacrebleu. Vous saviez bien qu'elle en désirait un. Quelle ingratitude. Sale race. C'est odieux d'avoir une famille pareille. Oui, la famille est odieuse, mais l'héritage est bon, n'est-ce pas?